No, no. Bonjour à toutes, la UX Family. J'espère que vous avez la forme. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes plusieurs à avoir mis votre petit message dans le chat. Je tiens à vous remercier pour ça car c'est très très agréable de voir que vous interagissez. Alors je vous fais un petit coucou. Il y a Céline qui est arrivée super tôt. Isabelle qui était là, là avant même qu'on démarre euh, le live. Il y a Overline qui est avec nous. Michael. Anthony qui est là, je crois que j'oublie personne. Mettez-nous un petit message quand vous arrivez. Je vous vois. J'ai le petit compteur. Donc mettez-moi un petit coucou. Euh, quand vous êtes là, confirmez-moi que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien apparemment de mon côté. Tout va bien. Il y a eu une petite hésitation au niveau du son. Euh... Euh, chez Isabelle je crois apparemment c'est bon tu as trouvé ton réglage confirmez moi que tout est ok aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos hein. c'est euh, l'état d'esprit avec lequel j'avais envie de mener ces lives depuis quelques semaines on fait des séries on traite un sujet alors je dirais pas de fond en comble mais un maximum euh, en tout cas euh, et là on va commencer cette série sur l'UX Stratégie. Donc, on va voir ensemble, on va, on va déjà prendre les bases, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette spécialité, ce, cet autre métier de l'UX, l'UX Stratégie. Et le temps que tout le monde nous rejoigne, et eh bien je vais très simplement euh, vous mettre un tout petit mot, vous dire un tout petit mot sur euh, le club UX. Il euh, y a eu un petit, une petite pause de fête pendant le mois d'août, tout le monde est un peu parti en vacances, donc il reste encore quelques places sur le club UX. Et pour que tu puisses voir si ça te correspond ou pas, si ça t'intéresse ou pas de nous rejoindre, et eh bien depuis quelques temps j'ai mis un mois de contenu gratuit, euh, donc tu as juste tout simplement à me donner ton mail et je t'envoie par mail l'équivalent de un mois de contenu. Donc tu n'as pas accès à proprement dit au club, parce que le club est réservé aux membres, mais euh, à un mois de contenu, c'est-à-dire... Un, une étude de cas réalisée par un expert UX francophone, la crème des experts UX francophones. Là, tu en as une mise à ta disposition. Tu as un mentoring qui est un tuto où je décortique de fond en comble un des outils. Et associé à ce, à ce tuto, tu as un challenge de mise en pratique, car ça me tient énormément à cœur que. Certes, tu as des exemples, tu, tu puisses voir, tu puisses passer derrière mon ordinateur et voir à quoi ça ressemble, mais là où ça a le plus de valeur pour toi, c'est quand toi, tu commences à mettre en pratique, quand toi, tu commences à te confronter aux conseils que je vais te donner, et c'est à ça que sert ce challenge de mise en pratique. Tu prends une heure dans ton agenda, tu mets en pratique les conseils que je t'ai donnés pour pouvoir voir ce que ça donne pour toi. Donc là, voilà, c'est ça que, que je te propose de voir, c'est un peu l'apéritif du club. Donc tu peux aller sur le lien qui est un peu en dessous là dans le dans la barre de description tu vas le trouver très 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 facilement. Donc j'espère que tout le monde est bien là pour ce live. On est 7 aujourd'hui sur, euh, sur, ce, sur ce live sur l'UX Stratégie. Alors j'aimerais que vous me posiez vos questions déjà pour démarrer. Euh, quels sont les. Est-ce que c'est quelque chose de connu pour vous euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est un nouveau sujet quels sont les questionnements que vous avez par rapport à, à cette thématique de l'UX stratégie Ça m'intéresse vraiment de savoir, puisque du coup, je vais pouvoir ensuite adapter mon discours à, aux questionnements que vous vous posez, vous. Peut-être même ensuite faire euh, d'autres vidéos sur les questions que vous vous posez. C'est très, très, très important que vous puissiez vous exprimer là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est que selon vous euh, est-ce que c'est est -ce est un nouveau sujet Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez pas Est-ce que vous connaissez des personnes qui pratiquent cette, euh, cette spécialité Est-ce que vous découvrez aujourd'hui euh, Où est-ce que vous en êtes par rapport euh, à ce sujet Je viens vous lire euh, juste après le temps, que, le temps que vous écrivez, comme vous savez, il hein, y a toujours un petit. De décalage. Euh, donc, là, on, sur cette série sur l'UX Stratégie, aujourd'hui, donc je vais vous parler des, des fondations et ensuite, j'aimerais, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pardon, vous parler euh, de différents outils. Qu'on utilise, euh, vous parlez de l'importance d'un des sujets qu'on va rapidement voir aujourd'hui, qui, qui, qui est la vision, le fait de pouvoir apporter une vision sur les, sur les projets quand on est UX stratégiste. On parlera des valeurs aussi, euh, comment est-ce que l'UX stratégiste doit créer des valeurs, mettre en place des fondations qui sont les valeurs. Et j'aimerais vous parler de comment est-ce qu'on va pouvoir traduire les valeurs. Euh, les valeurs et les visions dans l'expérience utilisateur. Comment est-ce qu'on passe de l'UX stratégie à l'UX design, qui est notre métier ou en tout cas notre, notre passion commune à, à toutes les personnes qui sont présentes sur cette chaîne Michael Aubry, UX strat égale design plus deep market. Alors je, je ne connais pas le deep market, donc j'imagine que c'est euh, une, une spécialité ou une approche du, du marketing. Euh, alors, est-ce que dans l'UX Strat il y a du design On va pouvoir le voir. Euh... Euh, je pense aujourd'hui, on va pouvoir approfondir ça ensemble. Qui d'autre qui, qui a un avis Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez Je les prends juste après les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je vais commencer par vous donner mon point de vue. Alors je vous rappelle, c'est mon point de vue, c'est ma perception du métier. Euh, je vous donnerai quelques références sur lesquelles je me, je me base, qui ne sortent pas de, sortent pas de, de nulle part. Alors est-ce que c'est une évolution du métier du X-Designer C'est la première question que je me suis posée. Quand j'ai commencé à, à m'intéresser à ce métier, euh, à un moment donné où j'avais envie de prendre encore plus de responsabilités en tant que UX-Designer, je me suis demandé, est-ce qu'en fait l'UX-Stratégiste, c'est l'évolution Est-ce que c'est un niveau plus stratégique de l'UX-Design ou pas Ou est-ce qu'en fait c'est un autre métier Je vais euh, tout de suite casser un peu les, euh, les, 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 les attentes, les préjugés là-dessus. Euh, j'ai envie de te dire oui. C'est un autre métier. Euh, ce n'est pas parce que tu es euh, UX-Designer que tu as toutes les compétences pour devenir UX-Stratégiste. Certes, tu as tout un tas d'éléments qui vont t'aider. Néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels monter en compétence pour devenir un UX stratégiste. Alors, on reviendra là-dessus juste après. D'abord, on va déjà te donner une, une rapide euh, définition du rôle d'un UX stratégiste. Un UX stratégiste, il est là pour, euh, euh, pour aider l'entreprise à innover sur des usages donc vraiment sur l'utilisation du produit ou du service. En réalisant une recherche utilisateur euh, comme toi, UX designer, tu le fais parce qu'il ne faut pas oublier que dans UX stratégiste, il y a toujours le UX. Donc, on est toujours très, très, très centré utilisateur. Sauf que lui, cette innovation d'usage, eh bien, il va y ajouter le pan stratégie business viable. Il veut euh, faire s'accorder, aligner l'utilisateur avec la stratégie business. Donc, il a autant euh, des, des compétences euh, de, de recherche et innovation, si je peux dire, que des compétences business euh, pour pouvoir faire s'accorder les deux sujets l'un avec l'autre et trouver des, des solutions qui, qui vont améliorer l'entreprise, améliorer le monde, améliorer les usages. Alors quand on est UX stratégiste, il faut vraiment être très à l'aise avec l'incertitude parce que UX stratégiste veut certainement dire qu'on part quasi de rien, ou d'une idée, ou d'un pressentiment, ou d'une étude sur laquelle on a ressenti une opportunité. Mais quand on est UX stratégiste, du coup, on conçoit les choses à partir de, de quasi zéro. Et donc là, il va falloir tout 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 construire. Donc il y a un petit côté... Il euh, y a un petit côté entrepreneurial dans, dans l'approche UX stratégiste euh, que, que tu vas retrouver dans, chez les profils business, que tu vas retrouver chez les profils marketing et que tu retrouves peut-être moins chez les profils designer. Euh, donc si aujourd'hui tu es UX designer et que tu as envie de tendre vers l'UX stratégie, eh ben, le conseil global que j'aurais envie de te, de te donner, c'est intéresse-toi à tout ce qui est entrepreneuriat. Business, marketing, etc. Comment faire pour développer un produit et le, le sortir, etc. C'est en s'intéressant à tout ça, en tant qu'UX designer, qu'on peut commencer à se dire Hey, je pourrais faire de l'UX strat aussi. Alors, ça va plus loin que ça il y, y a des compétences très spécifiques à développer. Mais c'est dans cet état d'esprit-là, je dirais, qu'un UX designer peut tendre vers de l'UX stratégie. Alors, l'UX stratégie. Euh, c'est vraiment une approche, je te disais, il faut être à l'aise avec l'incertitude. Et donc, c'est forcément une approche, euh, enfin forcément, en tout cas, c'est l'état d'esprit avec lequel j'approche la, la spécialité. Euh, il faut être très agile et très dans l'itération. C'est vraiment du test and learn constamment. On ne peut pas se dire, c'est bon. J'ai trouvé l'innovation, j'ai validé euh, mon idée avec les utilisateurs, mon business est viable, boum, je mets mon objectif là et maintenant toutes les équipes se mettent en, en, en mouvement, on orchestre toutes les équipes pour atteindre l'objectif. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Euh, on, quand on est UX stratégiste, on prend beaucoup de risques et dans ces risques, eh bien, on se casse la gueule régulièrement. Donc il faut être OK avec le fait de de changer de direction, de changer d'objectif pour réaliser de, du coup mettre en place un projet qui soit cohérent avec ce qu'on apprend tout au long du chemin. Parce que les choses qu'on apprend en amont, certes, nous, nous permettent d'avancer et de donner du sens, de la cohérence au projet, mais pendant le projet, on apprend encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça, je suis sûre que tu en es déjà convaincu en, en tant que UX designer. Ah, Marine qui nous donne une définition extraite. C'est un plan d'action concret qui tient compte des aspects business, des aspirations de l'entreprise, de la vision et du design. Franchement, j'adhère. J'adhère de ouf. Plan d'action qui sera amené, du coup, là pour simplement euh, euh, apporter un tout petit peu de nuance avec ce que je viens de dire. Plan d'action concret qui va grandir et évoluer avec le temps euh, et, et avec euh, la, la vie du projet. Donc ça reste, c'est pas, pas les dans le livre de, de Jamie Levy, elle parle, elle parle d une, d une, de l'étoile du berger. Euh, c'est pas mettre l'étoile du berger et suivre que l'étoile du berger. Non, c'est un, un peu plus tortueux que ça. Le chemin est un peu plus agile que ça. C'est pas, pas une ligne droite. C'est un chemin euh, euh, fait de plein de surprises. Donc euh, son rôle, donc, euh, mis à part... Euh, euh, mettre ce plan d'action en place euh, euh, et, et aligner business, design euh, et, euh, et expérience utilisateur globalement. Son rôle va vraiment euh, être de maintenir pendant tout ce chemin euh, de, de conception euh, qui, qui suivra lui son travail de stratégie, ça va être de maintenir aussi la vision. Parce que lui, il va, il va concevoir cette vision, cette stratégie. Euh, et son travail ensuite va, va être de vérifier et de maintenir le, 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 les idées de base, les idées fondatrices avec lesquelles il a travaillé. Euh, donc, dans certains cas, alors. Là, on, en, on pourrait rentrer dans des débats. Quel est le rôle du UX stratégiste par rapport au product manager, au product owner, etc. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Euh, mais euh, il, il peut, cet UX stratégiste, Prendre le rôle du chef de l'expérience utilisateur, du, euh, euh, du garde-fou de l'expérience utilisateur, puisque c'est lui qui a créé la stratégie de base. Donc il peut très naturellement devenir ensuite ce garde-fou de la stratégie pour que sa stratégie soit euh, euh, toujours cohérente euh, dans les process de, de production et de, et de conception. Donc il peut avoir un peu ce, ce rôle de, de responsable qualité, <laughs> tu vois. Il a le droit d'aller taper sur les doigts, gentiment, avec beaucoup de bienveillance, mais d'aller rappeler à l'ordre les, les, les différentes parties prenantes d'un projet pour dire, hey, attention, euh, nous, notre vision, c'est ça. Nous, nos valeurs, c'est ça. La stratégie qu'on a mis en place par rapport à ces visions et ces valeurs, c'est ça. Là, attention, on est un peu en train de changer de direction. Pourquoi pourquoi est-ce qu'on est en train de changer de direction Est-ce que vous avez appris des choses sur le terrain avec les utilisateurs qui fait que vous êtes, allé, vous êtes en train d'aller dans ce sens Après, c'est de la, de la communication, de la conversation et des échanges. Donc lui, il assure vraiment cette cohésion entre business plan, utilisateur, euh, euh, stratégie marketing. C'est vraiment le, le, la personne qui prend tous ces ingrédients-là dans son shaker et qui va influencer les uns et les autres. Euh, voire même co-construire avec les uns et les autres pour que tout soit aligné. Euh, J'aime bien le voir comme un... Euh, euh, comme une plateforme. Tu vois, c'est un, un peu un endroit où tout le monde se rejoint, une personne grâce à qui tout le monde se rejoint, et lui, en fait, il va orchestrer, aligner tous ces éléments qui sont essentiels à la réussite d'un produit ou d'un service. Et bien sûr, un peu comme l'UX designer, auprès des... Euh, alors, lui, pour le coup, l'UX Designer, il parlerait plutôt aux équipes euh, euh, opérationnelles, il va parler aux développeurs, il va parler avec le Product Owner, Product Manager. Euh, il va parler euh, un petit peu avec, euh, un petit peu, ouais, parfois, euh, et, et parfois ou régulièrement avec le marketing, etc. Euh, L'UX designer, il est porte-parole des utilisateurs envers ces personnes-là. L'UX stratégiste, il va être aussi porte-parole des utilisateurs, mais envers d'autres types de profils. Euh, UX stratégiste, comme tu as compris dans son intitulé, il est à un niveau stratégique. Et donc lui, ses interlocuteurs, ça va être tous les directeurs tous les directeurs de quoi que tu veux, de, que ce soit CEO, CTO, euh, marketing, directeur, je sais pas quoi, enfin, non, tous les directeurs que tu peux imaginer dans une, dans une organisation, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, qu'elle soit start-up ou pas, euh, lui, son rôle, ça va être d'évangéliser, d'aller euh, convaincre euh, à ce niveau-là, à, à une échelle stratégique dans l'entreprise. Donc en ça, il faut que ce soit quelqu'un... Qui, qui, qui soit très à l'aise avec euh, son rôle, très à l'aise avec le fait de convaincre, très à l'aise avec le fait de, voilà, de, de devoir évangéliser ses choix euh, et avec le fait bah, un peu d'aller négocier aussi. Parce que parfois, ça, le, le fait de convaincre, ça se transforme un petit peu en, en négociation. Euh, quel est ton point de vue sur le... Est-ce qu'un strat peut être un indépendant On va, on, on pourra en parler à la fin, Marine, c'est très intéressant. Euh, donc en termes de compétences, parce que là, on a bien. Euh... En tout cas, dites-moi si vous vous sentez du coup maintenant plus à l'aise avec ce rôle. Euh, Est-ce que ça c'est plus clair pour vous J'avais envie de vous parler un peu des compétences à, à, à développer pour pouvoir prendre ce rôle dans une entreprise si c'est un. Euh, de mon point de vue, ça peut être une évolution de l'UX Designer, mais avec beaucoup de travail pour adapter, euh, adopter, adapter euh, et faire évoluer des nouvelles compétences. Première chose, de toute façon, on va avoir plein de personnes qui vont travailler avec nous. Pour nous en tant qu'UX stratégiste, Donc, il faut savoir gérer l'humain, faire du management. Ça, c'est évident. Il faut être euh, un, un bon pédagogue. Il faut savoir orchestrer, euh, leader les équipes. Donc, il y a, euh, y a du, du lead management, du management d'équipe, du micro-management. Tu l'appelles comme tu veux, je m'en fous. C'est juste de savoir gérer l'humain, euh, gérer l'humain, déléguer, orchestrer. Euh, euh, créer des, 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 des process, gérer les méthodologies, l'organisation. Alors là, je commence un petit peu à dévier, mais voilà, faut savoir faire un petit peu tout ça, faut savoir organiser toutes ces personnes les unes par rapport aux autres pour que ça puisse bien se passer sereinement. Globalement, on peut aussi parler de, de gestion de projet. Quand on commence à parler de méthodologie, de process, organisation. tu peux mettre ça sous l'intitulé gestion de projet. Euh, mais c'est plus que de la gestion de projet, puisque derrière la gestion de projet, il y a aussi le côté management de, de l'humain. Il faut bien sûr euh, avoir pas mal de connaissances et être très à l'aise avec toutes les notions de business et de marketing. Donc euh, voilà, savoir, euh, savoir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on prend des décisions, quels outils on utilise, quelles sont les stratégies business, quelles sont les stratégies marketing euh, et, et comment est-ce qu'on peut, euh, en tant qu'UX stratégiste, animer ça et prendre des décisions à ce niveau-là euh, Et comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'aisance relationnelle, beaucoup d'aisance en termes de communication et pour savoir convaincre, puisqu'on va aller euh, parler euh, à l'échelle stratégique de l'entreprise à tous les directeurs. Donc tu vois, c'est euh, des, des compétences qui ne sont pas dans les fiches de poste de base, je dirais, d'un UX designer. Euh, encore moins le côté business euh, et marketing de mon point de vue, euh, mais qui devient absolument euh, central quand on parle de UX stratégiste. Alors aujourd'hui, sur le marché du travail, euh, de, de ce que j'ai pu voir à ma connaissance, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'UX stratégistes qui viennent plutôt des écoles de commerce et des écoles de marketing, puisque du coup, ils ont ce, ce, ce noyau-là. Et ensuite, c'est des personnes qui se sont au fur et à mesure du temps intéressées euh, aux approches de design thinking, aux à l'approche UX d'ordre général, mais qui ne sont pas passées... Par, qui ne sont pas forcément passés par la case, euh, par la, par la case UX Designer. Donc ça, c'est des personnes que j'ai presque, presque envie de dire, il y a deux bouts dans la ficelle. Euh, il, y a le, il y a le bout euh, UX Design, avec toute l'approche la, et les méthodologies qui nous sont propres, et il y a le bout bah, Business Marketing. Et aujourd'hui, les, les profils qui occupent ces postes sont plutôt du côté Business et Marketing et beaucoup moins du côté Design. J'ai envie de dire, c'est juste à nous de prendre conscience qu'on peut aussi aller dans, dans, sur cette spécialité-là et du coup prendre ce rôle-là dans les entreprises. Alors très rapidement, je te donne quelques termes de vocabulaire et quelques outils. Si c'est des choses qui t'intéressent, que tu as envie d'aller voir à quoi ça ressemble, que tu as envie d'aller t'amuser sur le web ou acheter quelques bouquins pour commencer à t'y intéresser, quand on est... Euh, Stratégiste, et eh bien tu vas devoir concevoir ce qu'on appelle une plateforme de marque. Ça, c'est le pur produit du marketing. Donc, tu vas devoir travailler. Donc, là, je, je t'explique pas ce que c'est, c'est pas l'idée de cette vidéo aujourd'hui. Tu vas pouvoir aller faire tes recherches ensuite. Mais tu vas pouvoir travailler sur les valeurs du produit de l'entreprise, ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, sur la vision, sur les missions, sur les promesses. Tout ça, c'est du marketing. Tu vas pouvoir travailler le positionnement de la marque. Le Positionnement du produit. Personnellement, ça me passionne ce sujet de, de positionnement. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux autres éventuellement Ou comment est-ce qu'on se positionne tout simplement par rapport à nous, par rapport à nos valeurs, à la mission Ensuite, ça, du coup, ça pose la question tout ça de qui sommes-nous Qui sommes-nous en tant qu'entreprise pour créer tel produit Quel rôle on veut prendre dans le monde, dans, dans, dans l'environnement dans lequel on, on, on travaille Quel rôle on veut prendre Qui sommes-nous euh, ça pose aussi énormément la question du coup de euh, la connaissance du client. Donc ça, nous, en tant qu'UX designer, on est beaucoup plus euh, proche de cet univers-là, de la connaissance euh, utilisateur, connaissance client. Mais là, avec l'UX stratégiste, tu vas te poser la question sur deux plans. C'est euh, avec qui on aime travailler, on va avoir l'opportunité quand on est UX stratégiste de se dire quel client on veut avoir quand on est UX-Designer, on n'a jamais l'opportunité de se dire, ou quasiment jamais l'opportunité de se dire, quel utilisateur idéal on aimerait avoir. Et bien, quand tu es UX-Stratégiste, tu es tellement en amont que tu as même l'opportunité de te dire, bah, avec qui j'ai envie de travailler et avec qui je n'ai pas envie de travailler. Donc ça, c'est vraiment un, un luxe, du coup, d'être à cette euh, strate-là dans les entreprises. Ensuite, ça pourrait être... Une question vue différemment, ou en fonction du contexte, on pourrait se la poser en tout cas différemment. On pourrait se poser la question qui servons-nous le mieux Quel type d'utilisateur servons-nous le mieux Et du coup, comment est-ce qu'on va faire pour se focaliser sur cette typologie d'utilisateurs pour mieux les servir Cette question-là, on, on travaille beaucoup plus avec, avec celle-ci quand on est UX designer. Et ensuite, quand on est UX stratégiste, on va se poser cette dernière question c'est quelles sont les offres qui sont adaptées à nos utilisateurs et qui vont euh, nous permettre de d'être rentables, d'être viables. Quelle est l'offre, quel est le format pour générer de l'argent, euh, pour, euh, pour faire vivre mon entreprise qui conviendra autant à mes futurs clients que à la. Structuration, à la viabilité de, de l'entreprise. Et pour faire tout ça, donc tout à l'heure je t'ai parlé de plateforme de marque, pour faire tout ça, on peut utiliser du, des business models Canva, on peut faire des services Blueprint, on peut faire voilà, tout un tas d'autres choses, mais c'était pour te donner un peu quelques hashtags, <laughs> quelques éléments de recherche sur, euh, sur internet pour aller voir de quoi il s'agit. Donc on verra sur euh, la suite de la série, si on approfondit la plateforme de marque, si on approfondit le business model canvas, si on approfondit le service blueprint je ne sais pas encore de quoi je vais te parler exactement euh, puisque je ne voudrais pas non plus perdre la communauté qui est là pour parler du X-Design je vais tout simplement ouvrir les écoutilles à, à ceux qui en ont le souhait d'aller euh, plus loin et puis ensuite on verra à quel point on va dans un niveau de, de, de détail, un niveau de, euh, de profondeur, un niveau de granularité on choisira ça ensemble sur les jours à venir. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Euh, je viens sur les questions. Euh, Marine, quel est ton point de vue Est-ce qu'un UX stratégiste peut être indépendant Alors, je vais essayer de nuancer, Marine, euh, parce que en tant qu'indépendante, j'ai toujours envie de répondre oui. <laughs> Bien sûr, quasiment de mon point de vue, de mon, de mon humble point de vue, de mon unique point de vue, tous les métiers pourrait être euh, tenu par des freelances. C'est simplement une question d'état d'esprit et une question d'organisation de l'entreprise. Maintenant, est-ce que les entreprises sont prêtes à intégrer des UX stratégistes indépendants euh, sur le long terme et, et, ne, et ne pas les posséder Parce que du coup, quand tu es freelance, quand tu es indépendant, tu n'es pas en, dans la, en la possession de de l'entreprise. La première réponse, c'est peu d'entreprises sont prêtes à ça. C'est un, voilà, un constat, c'est la, la réalité. Une entreprise est rassurée de, nous, de faire signer un, un contrat de salarié pour euh, avoir des personnes à un niveau stratégique dans l'entreprise. Ce qui est concevable, ce qui est tout à fait concevable. Dans le sens où Guy euh, dit stratégique dit beaucoup d'investissements euh, financiers de temps euh, avec des informations qui sont peut-être sensibles, etc. Donc ils veulent sécuriser. C'est tout simplement une question de, de sécurité. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est impossible d'être UX strat et d'être indépendant. Pas du tout. Euh, ceux qui connaissent euh, Emmanuel Marie-Véry savent qu'elle a été indépendante pendant euh, pas mal de Plusieurs années euh, et elle a, elle a pu faire son travail du X-Stratégiste en, en tant, en tant qu'indépendante. Maintenant, comment est-ce qu'elle y est arrivée Eh bien, tout simplement, la confiance. Elle a développé de la confiance auprès de ses clients. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est certainement ça euh, le, le secret, c'est comment est-ce qu'en tant qu'indépendant, on arrive à, à créer de la confiance chez les clients pour qu'ils puissent nous dire, bah, ok, c'est bon. C'est bon, on travaille avec lui, même si c'est un niveau stratégique. Après, comment est-ce qu'on sécurise quand on est indépendant On signe des contrats, on signe des, on signe des, N, des, des NDA, on, on signe des clauses de non-concurrence. Voilà, on signe toutes ces choses-là avec lesquelles un, un freelance designer a moins l'habitude de travailler. Mais quand on vient sur des sujets stratégiques, ben ça devient le quotidien de sécuriser l'intervention de, de l'indépendant, du consultant. C'est une normalité dans, dans ce monde-là. Donc, ça, ça c'est mon point de vue de ce que je connais du marché. Euh, maintenant, il faudrait vérifier ça, par exemple, avec Manu, euh, et lui demander c'est quoi ton point de vue Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire euh, qu Globalement, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce qu'il y, est est qu y a des opportunités en tant qu'UX stratégiste Est-ce qu'il y a de la demande Ou est-ce qu'il y en a pas euh, là dessus j'ai pas, euh, pas la réponse et j'ai pas un niveau d'expertise en, en, en UX stratégie qui me permet d'y répondre non plus euh, à savoir que moi je suis un bébé UX stratégiste hein, ça fait euh, tout juste un an que je, que je, que je m'intéresse et que je, du coup je travaille sur ces sujets là euh, donc je ne veux pas euh, dire, euh, dire n'importe quoi et, et faire du bullshit du coup, voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'attends vos petits commentaires s'il y en a sur, euh, sur ce sujet. Euh, avant de partir, je voudrais vous demander s'il vous plaît de me dire est-ce que c'est un sujet que vous souhaitez approfondir ensemble Tout simplement, mettez-moi un oui dans les commentaires. Ou est-ce que quand on part un petit peu sur des, des sujets un peu en dehors du, de l'UX design, euh, ça, ça vous perd Voilà, c'est quoi votre, 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 votre regard à chaud sur le fait de, de partir sur des sujets un petit peu en dehors de l'UX Design. Est-ce que ça vous inspire Est-ce que voilà, donnez-moi votre, votre point de vue là-dessus. Avant de vous quitter, surtout, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez kiffé. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, ça vous permettra d'avoir les notifications et surtout, ça me permet aussi de faire reconnaître la chaîne plus il y a d'abonnés. Plus il euh, y a de likes, plus euh, les vidéos remontent sur YouTube. Donc ça, c'est cool. Et merci, merci, merci grandement à ceux qui le font déjà, qui sont déjà abonnés, qui ont déjà mis des pouces. J'ai fait un petit test hier de recherche sur YouTube. Franchement, avec les mots-clés euh, qui sont liés à l'UX, il y a toujours 2, 3, 4 vidéos qui sont sur la première page de, de recherche. Donc ça, merci les amis. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Euh, c'est grâce à vous, c'est grâce à ces lives. Que, que le projet est en train de, de prendre du corps. Donc ça me fait vraiment très très chaud au cœur à chaque fois que je vois un nouvel abonné. Dans ma tête, tu sais, c'est le petit picto de la, de la petite dame qui fait du flamenco, là. <laughs> la petite dame qui danse à chaque fois. C'est la fête dans ma tête. Marine, merci Mélo, je partage ton idée. Et en même temps, ça me semble fastidieux de porter la stratégie d'une entreprise aux côtés de décisionnaires sans être immergé dans l'entreprise. Alors attends, hop, petit scroll. Car il y a également à... Ah, t'appuyer sur Hunter et c'est pas <laughs> c'est pas parti. Je suis d'accord avec toi que ce n'est en fait je suis d'accord je suis sur le coup je suis d'accord avec toi quand on dit euh, c'est pas évident de, de mettre en place de la stratégie quand on n'est pas immergé dans l'entreprise. Mais en fait j'ai envie de dire on peut être immergé dans l'entreprise quand on est indépendant c'est juste une question de temps et de format à imaginer. Euh, on, on a peut-être un peu trop tendance à être en dehors de l'entreprise, vraiment, quand on est indépendant. Par contre, euh, quand on devient un indépendant à un niveau stratégique, eh ben, il faut certainement imaginer des formats où on est beaucoup plus en immersion. Et imaginer des formats d'immersion pour être complètement dedans. Si c'est juste ça, la donnée, euh, c'est euh, l'immersion, eh ben OK, bah, faisons que... Euh, mettons en place les choses pour que le freelance s'immerge. Après, je suis, suis d'accord que tous les interlocuteurs ne sont pas prêts à imaginer des formats d'immersion pour les indépendants. Mais ça, c'est qu'une question d'interlocuteur et d'ouverture d'esprit de, de l'interlocuteur. C'est car il y a également les collaborateurs qui viennent agrémenter la StratuX. Hop, la suite. C'est un métier qui va évoluer à nous de le bâtir. Ça, je suis totalement d'accord. C'est un métier très récent. Ah là, oui, attends, il fallait qu'on fête un truc. Les amis, petit verre de champagne virtuel. Nous venons aujourd'hui de réaliser la deuxième vidéo YouTube en français sur l'UX Stratégie. Autant te dire qu'il y en a des dizaines et des dizaines en anglais. Et là, on fait la deuxième vidéo YouTube sur le sujet. Euh, donc bravo à vous. bravo, Petit bravo à moi aussi. Je m'auto-congratule. Euh, la toute première, et je vous invite à aller la voir, c'était seulement en juin de cette année qu'elle a, euh, qu a été mise en ligne. Et c'est un meet-up de UX République. Star du X qui est vraiment vraiment excellent. Il y a deux intervenants, je me rappelle plus des, des prénoms, mais c'est deux intervenants UX stratégistes de, de chez UX République et qui présentent aussi leur approche de, de l'UX stratégie et qui, qui vous parlent de leur de leurs références, notamment Jamie Levy, que dont je t'invite à aller lire son livre euh, aux éditions Oreilly, euh, de euh, qui s'appelle UX stratégie, qui est la, Base, qui est le premier livre à acheter et à lire sur l'UX Stratégie. Alors ne sois pas étonné, c'est en anglais. <laughs> Forcément, il est en anglais. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait un bouquin en français à vérifier. Je t'avoue que je ne suis, suis pas allée voir là-dessus. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été présent. À la fin du live, vous êtes 10. C'est cool. Je vous dis à très très vite, vendredi prochain, du coup, pour le prochain live. On continue cette série sur l'UX Strat. Ciao, ciao!